Madame la vice-présidente, alors on se retrouve à nouveau pour un événement sur la culture dans le Grand Pic Saint-Loup. Alors, exposition originale. Exposition originale, oui, c'est vrai, puisque c'est la première fois que nous proposons une exposition sur le thème de l'art contemporain. Une exposition qui demande quand même un peu de médiation, donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau en Pic Saint-Loup, mais nous avons vraiment la volonté de montrer toutes les formes d'art, et celle-ci en fait partie. Alors de l'art, un peu axé aussi sur la transition écologique. Complètement. La culture, alors la communauté a déjà prévu d'aller dans cette direction puisqu'elle a créé un poste et un service de transition écologique, écologique aussi d'ailleurs. Et donc effectivement, cette exposition engage la culture dans cette démarche également. Et effectivement, elle est axée sur tout ce qu'on peut faire avec tout ce que l'on a et on arrive à faire de très belles choses. Alors, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes, aujourd'hui encore une nouvelle manifestation sur la culture chez vous, au Matel. Alors, une manifestation qui, un vernissage où on a du patrimoine, on a de la culture, mais on a aussi une petite touche de transition écologique. Alors, est-ce que c'est une nouvelle orientation forte de la communauté de communes? Alors oui, en effet. On a un peu cette tradition écologique, mais finalement, on peut l'amener aussi sur l'aspect de la culture. Finalement, c'est pas inintéressant. En tous les cas, l'exposition démontre que la matière, on peut toujours en faire quelque chose. Et c'est une démarche qui nous intéresse dans cette époque où aujourd'hui l'écologie doit faire partie des programmes, doit faire partie des stratégies que les territoires développent. Et donc on est très en amont, je dirais, pour le territoire du Grand Pic Saint-Loup sur cette thématique de l'écologie, parce que on l'a dans notre ADN finalement. Sans s'en rendre vraiment compte, on a toujours fait de l'écologie ici, sur ces territoires. Donc finalement, aujourd'hui, ça paraît très naturel d'en parler, mais d'en parler sous différentes formes. Là, on va travailler notamment sur les déchets, le biodéchet, qui est un gros sujet là pour nous, alors qu'on est déjà vertueux en termes de production de déchets, mais on travaille sur le biodéchet et on fait une exposition aujourd'hui sur l'art contemporain, sur les matières et sur autre, vous voyez, tout ça est possible.